Attrapez-les tous. Une des phrases, si ce n'est la phrase, la plus connue du monde Pokémon. Et pourtant, jamais on a pu atteindre cet objectif. Soit il y avait deux jeux et certains Pokémon étaient disponibles dans l'autre version, soit des Pokémon évoluaient uniquement par échange. Et les 100 amis comme moi, on faisait comment, hein? Pokémon Thunder Yellow est LA ROM hack. Elle se base sur Pokémon Rouge Feu à l'exception près que l'on peut capturer tous les Pokémon et remplir entièrement le Pokédex, les 151. Hey, mais comment tu vas faire pour les chercheurs? Et Mew? Est-ce que je peux avoir Mew? Ne t'inquiète pas Billy, regarde la vidéo, ça va très bien se passer. Avant de vous raconter ma folle aventure, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne, ça aide énormément. Ah oui, et je live sur Twitch tous les jours, donc cliquez sur le petit cœur pour être au courant de chaque live et vivre l'histoire en live. Bonne vidéo. Alors, comment est-ce qu'on l'appelait? Putain, j'ai pas beaucoup de temps là, je perds du temps sur ça, c'est très grave. Zanark, je sais pas si ça passe. Non, c'est bon, en fait, on est large. C'est bien Zanark. Alors, là, je sais qu'il y a toujours une potion, voilà. Donc du coup, l'objectif, ça va être de capturer tous les Pokémon. Il y en a 151 plus 5-6, et on va tous les capturer, je n'arrête pas le live tant que je les ai pas tous. C'est écrit dans le titre de la vidéo, mais pour rajouter du piment au challenge, je me suis dit que je devais donc tous les capturer en moins de 24 heures. Pour ça, j'ai établi la stratégie suivante. Faire le jeu de façon linéaire jusqu'à la ligue Pokémon en capturant tous les Pokémon sur mon chemin. Puis, une fois que j'aurai 50 Pokémon capturés, un assistant du professeur va nous donner le multi-XP que je vais donner aux Pokémon que j'ai capturés sur le chemin afin de les faire évoluer et de remplir le Pokédex de façon optimale. Notre aventure commence donc au petit village de Bourpalette. Oui, je suis en jaune car c'est un remake de Pokémon jaune. Donc il y a aussi un Pikachu spécial, le starter du rival est un Evoli, il y a la Team Rocket avec Jesse et James, voilà voilà. Comment est-ce qu'on appelle Pikachu? Oui, je pense qu'on va lui donner un surnom. On va pas donner un surnom à tout le monde, bah, parce que en fait on en capture 151 quoi. Inazuma, en vrai Inazuma s'appelle pas mal. Inazuma c'est pas mal, ça veut dire éclair quoi. Je sais qu'on peut aussi voir les IV etc. Tiens, dis-moi qu'il est pas nul, parce que je vais me le trimballer toute l'aventure. Ça va, il est plus défense P, moins attaque P, mais on s'en fout. Bon en vrai ça va. Ok, Zanark qu'on affronte. On détruit notre rival et on se rend à la ville de Jadiel faire un petit RP chronopost. Décidément dans les jeux Pokémon. Une fois qu'on a donné le colis au professeur, on a enfin notre fameux Pokédex, pratiquement vide pour l'instant, et nos premières Pokéball. Nous sommes donc libres de commencer notre voyage sur la route pour aller à Argenta. Là où se situe la première arène, on a pu capturer pas mal de Pokémon, donc Rattata, Rukul, un singe, les Nidoran et encore plein d'autres. Je vous vois déjà venir, donc pour des façons beaucoup plus simples, non, je ne vais pas lister tous les Pokémon que je capture un à un. En revanche, si vous voulez pouvoir suivre l'avancée de mon Pokédex, il y a le compteur juste en dessous de ma cam pour des façons beaucoup plus pratiques, évidemment. Première arène, premier combat qui est censé nous donner vraiment du fil à retordre. J'en ai profité pour XP un peu mon Ferro-Singe qui est de type combat et qui détruit donc littéralement Rakaiou, puis Onix facilement. On continue donc à l'est où on va pouvoir faire l'acquisition d'un Aspico qui est normalement disponible uniquement dans la version vert feuille et on achète bien évidemment le Magikarp. Ouais, on va lui donner un surnom, on va l'appeler L. Non, son attaque spé pue la merde. Là, il pue la merde, hein. Il pue la merde. Aberrant. Mais il est nul à chier, quoi. Nous voilà dans le Mont Sélénite où l'on capture tous les Pokémon sur notre passage, donc Nosferapti, Rakaiou et surtout les fossiles. Mais je plaît, comment tu vas faire pour les fossiles? Eh bien, ils nous sont tous donnés. Alors certes, là, il a pris le mien, mais quand on retournera à Argenta, il nous le rendra et en plus, on aura l'ambre pour Ptera. D'ailleurs, on a pu croiser pour la première fois Jesse et James qui avaient exactement la même team que dans l'anime, donc Smogo, Abo et Miaouss. Autant vous dire qu'ils étaient frauduleux et qu'on a continué notre route assez facilement. Nous voilà dans la magnifique ville d'Azuria où l'on va pouvoir avoir notre premier vrai starter, Bulbizarre. Et juste au-dessus, un Salamèche. Le dresseur était sur le point de l'abandonner car il était trop faible. Honteux! Mais bref, j'en profite pour faire évoluer mon Bulbizarre en Herbizarre. On sauve Léo de sa propre invention et on en profite pour capturer quelques Pokémon disponibles dans cette zone. Bon, à nous la deuxième arène, ça devait être facile, non? J'ai un Bulbizarre, un Pikachu et c'est une arène de type O. Ok, ok, ok. J'ai peut-être merdé. J'ai peut-être merdé avec l'idée du choc mental. Ok, ok, ok. Tenders. Tenders, un petit vive attaque. Il a soin! Ok, bon, au bout du deuxième essai, qui est passé beaucoup plus facilement que le premier. On a notre deuxième badge. Deuxième badge en poche, direction le sud vers Karma-sur-Mer, vers le badge électrique. Sur le chemin, il y a des Abras que je tente de capturer en vain. Et je vous vois venir, pourquoi un Abra? Il a que téléport et c'est méga chiant XP. Et bah déjà, car Abra est gotesque, puis on n'a pas le choix pour remplir tout le Pokédex, mais surtout car on peut l'échanger contre un Monsieur Mime et c'est un des seuls Pokémon que l'on peut avoir uniquement via échange dans cette version. Donc je dois même pas capturer un Abra, mais au minimum deux Abras. Pour pouvoir accéder à la troisième arène, il nous faut impérativement la CS Coupe que l'on obtient dans le bateau. Donc on détruit encore une fois le rival et en route pour défier le Major Bob. Bon, apparemment il a uniquement un Raichu, donc ça devrait le faire, non? Major Bob, il a un Pokémon? Il a que un Raichu? Je sais pas qui... Ah. Oula, ok. Oh, cage éclair, il est insupportable. Il est insupportable. Bah je vais mourir là, tonnerre, là je meurs. Flamèche, ça commence à faire des dégâts, c'est pas mal. Est-ce que je pourrais pas le brûler par hasard, tonnerre, je sais pas. Ouais, on va l'endormir. Hein. Moi, ma technique, c'est toujours d'endormir. Reflet, oh my god. Reflet, c'est tellement impossible que je touche. Oh, il spamme les reflets, mais il a un... Oh non, 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 non. Fais pas ce que je pense.
Faut l'endormir. Alors, endormir déjà que ça touche jamais. Si en plus il a fait reflet, les gars, je pense qu'on peut. Et bah, ça sera quand même dans l'animé. Mon Pikachu sera meilleur, mon gars. Vive attaque, vive attaque, vive attaque. Putain, il m'a investi, le bâtard. Par contre, au deuxième essai, ça passe beaucoup plus facilement. Faut dire que j'étais mieux préparé. Maintenant que l'on a battu la troisième arène, une dresseuse à Karma sur mer nous trouve assez digne et fort pour prendre soin de son carapuce. Let's go! Maintenant, on a les trois starters de Kanto en poche. Franklin, j'aime bien Franklin. J'aime bien Franck. Je vais appeler juste Franck alors. Alors, est-ce qu'il a une bonne nature, des bons IV, tout ça? Incroyable. Oh, il est plus attaque SP quand même, donc ça passe. On en profite pour capturer un Taupiqueur et je fais au passage encore des cauchemars sur les Triaupiqueurs. Pourquoi? Car ils sont déjà tous niveau 1 milliard et en plus ils ont un talent qui nous empêche de fuir. On est donc piégé à attendre à mourir. Et on en profite pour faire le fameux échange pour avoir le GOAT Monsieur Mime. À la sortie de Karma sur mer, on nous indique qu'un assistant du professeur veut nous parler pour nous donner la CS Flash. Donc on va le voir et en route vers la grotte. J'en profite pour prendre Machoke et d'autres Pokémon de zone. Oh non. Pas cette ville. Tout mais pas ça. Pas cette musique. Bref, on va vite direction Céladopole qui va être indispensable pour remplir le Pokédex. Et au passage, on récupère l'Evoli. On fait l'arène extrêmement facilement grâce au combo Lance-Flamme plus Reptincelle. Et au passage, on en profite pour démanteler la Team Rocket. Puis, on fait l'acquisition de l'objet pour voir les fantômes. Donc, direction l'avant-ville encore une fois. Et on rajoute Osselet et Fantominus à notre collection. Afin de nous remercier de l'avoir sauvé contre la Team Rocket, le vieux Fuji nous donne la Pokéflute qui va nous permettre de réveiller Ronflex et donc de le capturer. Et j'ai galérer. Déjà, il a plein de points de vie, mais en plus, il a la capacité repos, qui empêche donc de le paralyser ou le brûler, car quand il dort, ça le soigne entièrement. Bref, c'était dur. Rafa Psy, ne watch out pas. De toute façon, j'ai sauvegardé juste avant. Hein. Mais mec! Putain, je vais devoir reset. Hein. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Puis direction Safrania, où on détruit toutes les personnes dans le dojo et on récupère Taignon et Kikli. Oui, ça se prononce Taignon, en référence à Mac Tyson. Voilà, je lâche mon anecdote. On galère littéralement dans le bâtiment de la Team Rocket, où l'on détruit au passage assez facilement notre rival, et on découvre que sur la ROM, il y a la méga évolution disponible. Je peux? Quoi? Non. Non! Noir! Ce sera lequel? Non, c'est pas possible. Non. Noir! On nous donne le Pokémon low class en direction vers le badge Psy où l'on a bien sué comme il fallait. On enchaîne directement avec la ville de Parmanie où il y a le parc Safari, la zone la plus horrible du challenge. Donc, technique de l'autruche, tant que je ne vois pas le problème, il n'existe pas. On repoussera cette étape une fois après avoir fini la ligue. On prend donc notre 6ème badge assez facilement. Tant qu'on est à Parmanie, on en profite pour faire vite fait un tour au parc Safari, sans vraiment capturer les Pokémon, mais surtout continuer l'histoire le plus rapidement possible. Évidemment, sur le chemin, on capture quelques Pokémon comme un Nidorino ou un Nidorina, et on a donc la 16 Surf et la dent en or, qui va nous permettre de débloquer la 16 Force. Et à droite de la ville, un assistant du professeur nous donne enfin l'objet ultime de la run, le multi-XP, qui permet de donner de l'XP même si le Pokémon n'a pas participé au combat. Et vu qu'on va devoir faire évoluer littéralement tous les Pokémon, ça va nous faire gagner un temps fou. De retour à Bourpalette, pour surfer jusqu'à la prochaine étape de notre périple. C'est sur cette île qu'on peut réanimer tous les fossiles, donc Kabuto, Amonita et aussi Ptera. Kabuto et Amonita qu'on met dans le PC pour les XP bien plus tard. La flemme là. L'arène est fermée, on va donc devoir aller dans le manoir Pokémon pour aller chercher la clé. Sur le chemin, on prend un Smogo, un Caninos, un Tadmorph et enfin un gros Tadmorph. Puis je croise un Métamorph. Je pensais que ça allait être très facile à capturer, mais pas du tout. Anecdote, Métamorph est un des Pokémon les plus compliqués à capturer, du genre aussi dur qu'un légendaire. Du coup, j'abandonne pour l'instant, j'avais pas assez de Pokéball, j'étais pas assez préparé. On le fera après la ligue. Après moult périple, on arrive enfin à récupérer la clé de l'arène et on va faire la 7ème de type feu. Donc avec mon méga Tortank, ça passe extrêmement facilement. Léo nous kidnappe et on est obligé de faire l'un des pires arcs de Pokémon rouge feu, les îles Sévilles. Oh putain, c'est les îles. Bref, je vous épargne ça, je capture quelques Pokémon sur le chemin et on sauve la petite fille d'un Pokémon très... très bizarre, on va dire. Un méchant Pokémon n'arrête pas de m'embêter et vous savez c'est qui? C'est Hypnomade. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est pédo. Et on s'enfuit vite de cette zone. Direction Jadiel, pour notre ultime badge, où l'on va affronter Giovanni, champion de type sol. Je vous la fais courte, méga Tortank, surf, fin du game. J'ai tous les badges. Let's go, j'ai tous mes badges, direction la Ligue Pokémon. Alors, avant ça, il y a la route victoire, avec pas mal de nouveaux Pokémon sur le chemin, que je capture bien évidemment tous, dont Sulfura. Sachant que j'ai gardé la Master Ball pour Mewtwo, j'ai douillé. Genre, sévère. J'ai plus de boules, j'ai plus de boules. Mais par contre, j'ai les boules. On est reparti. Nice, on est devant la ligue. Alors, je l'ai faite une fois, mais ma sauvegarde a été corrompue. Donc je devais tout refaire, bien évidemment hors live. Donc pas grave, je vais profiter de ce moment pour remplir un maximum mon Pokédex de Pokémon que je peux avoir uniquement avant la ligue. Donc direction Elector, qui nous a bien fait cracher du sang aussi. C'est win. Puis Articuno. Articuno. T'as vu? Oh! Oh my god! Oh my god, il fallait l'insulter. Articuno, il s'appellera Articuno.
J'en profite au passage pour capturer tous les Pokémon aquatiques, donc Kokias, Tentacool, etc., etc. Et à faire évoluer quelques Pokémon qui évoluent uniquement avec les pierres. Donc Noix de Coco, Goopix, et plein d'autres. Ouf. Quelques jours après, avec une nouvelle save, cette fois-ci pas corrompue, on peut faire la Ligue Pokémon. Donc déjà, nouvelle tentative, mais j'ai les oiseaux légendaires, j'ai les méga évolutions, ça devrait très bien se passer. Alors, vu que j'ai refait tout le jeu, j'ai re-XP un peu mon équipe, voici mon équipe. Alors, j'ai le seum, en fait, Dracaufeu, comme je l'ai refait, parce que j'ai perdu ma save. En fait, quand tu le mets niveau 37, et tu veux pas méga évoluer tout de suite, et bah c'est méga Dracaufeu Y. Ok, Intellector, touche s'il te plaît. Oh non, mais je suis mort. Ok, on va jouer flex. Je suis un joueur flex. Je suis un énorme joueur flex. Et bon, flex, c'est un goat. Bah non, Froggy, il est là. Non, mais comment on peut préférer, honnêtement? Plus j'y pense, plus je me dis qu'il est frauduleux, hein, Florizarin. Hein. Mais bref. Coup critique. Repos. Ok, je m'endors. Ronflement. Ronflement encore. Ah non, il va. Ok, c'est bon. Bon, pour l'instant, la ligue se passe bien. Putain, mais par contre, je suis underlevel, non? Les gars, je vais pas pouvoir faire la ligue là, honnêtement. La dernière fois, j'y suis allé level combien? Non, parce que là, c'est pas possible. Enfin, sauf si je joue avec les objets, quoi. Mais sinon, ça me semble un peu complexe. Je sais que j'ai les lunettes noires, mais j'ai pas encore. Putain, mais wesh! T'es type combat ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Franchement, les types combat qui ont des Onyx là, ça me rend fou, ça. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Ma cognure, j'ai envie d'envoyer Froggy, de mettre Vampigraine. Voilà. Et une fois qu'il est infecté, on le poudre d'Odds. Et là, je le tue à petit feu, genre tranche herbe jusqu'à ce qu'il meure. Into tranche herbe. Into, je le suce un peu. My god. J'ai pas réussi à le tuer, quoi. Pourtant, j'avais fait ma technique de sucer, hein. Kikli, allez, t'es quoi, surf, hein. Je sais pas mes surf comme un gamin. Voilà, en plus, il a un Onyx de merde. C'est win pour moi. Enfin, c'est qui la prochaine? Ah oui, bah la prochaine, oui, bah Isel. Voilà, Nosferalto. Voilà. Quoi? Là, je one-shot pas Nosferalto là, sérieusement? Ouais, pourtant, je suis un dragon feu là. Dragon feu, hein, vous rendez compte? Putain, mais le soleil s'arrête! Arrête! Stop, merde! Ok, Frozy. Frozy, normalement, laser glace, ça devrait te tuer. Voilà. Ectoplasma, laser glace. Mais d'où il endort? Mais d'où t'endors? T'as le foutre? Mais mec! Il m'a outspeed into. Mais elle est trop bien sa strat là! Non, il va pas aller plus vite que moi. Si, je quand même. Oh putain. Okay. Rappel max sur canon, je pense. Je me chie dessus. Mais réveille-toi! Ok, morceau, c'est bon. C'est pas win? Ah okay, bon. Alors là, ah non, il lead avec un Léviator, Peter. Donc Léviator, Fatal Foudre et voilà. La seule différence avec la rome de base de Rouge Feu, c'est qu'on peut capturer tous les Pokémon. Du coup, est-ce qu'ils ont fait un arc spécial genre pour Mew? Ou alors est-ce qu'ils ont juste mis un truc à une zone comme ça attrapable? Je ne sais pas, mais. Parce que je veux dire. Oh putain. Et laser glace. Genre là, c'est très dur là. Draco. Bon, Draco, ça devrait aller. Draco Los. Ok, là, il faudrait que je résiste. Ok, bah nickel. Vampigraine. Ce serait un petit Vampigraine là? Oh, j'ai réussi à l'infecter. Coudre d'Odds? Ok, pas trop demandé. Néanmoins, c'est pas mal ce que j'avais. J'ai encore des rappels. Course. C'est win. C'est win, non? Peter frauduleux. Alors, dans la tête, il commence avec son recarnage. On va voir. Rien à voir. Let's go! Froggy qui fait ses dégâts. Post attaque là. Alors, Alakazam. En plus, que je gagne. Oh, il a fait préscience le con. Ok, c'est winnable. Oh, fuck! J'ai une faiblesse électrique énorme en vrai. Oh, putain, c'est tellement joueur guérison. Ils sont insane les sprites. Alors, à l'époque, justement, ils étaient pas très très beaux, je trouve. Enfin, ça dépend. 4 guérisons. Après, je fais pareil. Hein. Je veux dire, là, il y a un connard là qui est en train de chercher ses rappels là. C'est moi. Allez, morsure. C'est win là. Et normalement, ça devrait pas bugger. Bravo à eux, bien évidemment. Quel team gotesque. Let's go, ça marche! Ok. Maintenant que c'est fait, il nous reste que les Pokémon les plus difficiles à avoir, dont le fameux Parc Safari. 1% de chance de spawn, allant jusqu'à 4% selon la zone. Donc, le Vénard, Tauros, Scarabrut, Insécateur, ça a été horrible. Déjà, les croisés, c'est une horreur. Mais pour qu'il rentre dans la Pokéball, j'en parle même pas. On a deux options. Soit lancer une pierre, mais il y a plus de chances qu'il fuit, mais plus de chances aussi qu'il rentre dans la Pokéball. Soit un appât. Moins de chances qu'il fuit, mais moins de chances qu'il rentre dans la Pokéball aussi. J'ai douillé. J'ai passé pratiquement 3 heures juste sur ces Pokémon-là. 1, 2... Oui! Oui! Voilà! Un Solondo, il fait partie des 151 premiers Pokémon. Moi, je capture que les 100. Oh, bah, un Sécateur est capturé! Putain, je pensais tellement pas que ça allait passer. Scarabot. C'est win! Voilà! Ça nous aura pris 2 heures, mais on l'a fait. Ah oui, et au passage, on croise Mew, qu'on capture et qui est
Anecdote extrêmement facile à capturer. Je crois qu'il se laisse même capturer. C'est une théorie. C'est juste ma théorie. Non, c'est mieux. C'est mieux. 70. Wow, 12. Là, il a un HP. C'est pas grave. Il a un HP. Ah ! Super Bowl du premier coup ! C'est mieux. Ouais, c'est Mew. Let's go. Qui dit post-league dit le Pokémon le plus important? Mewtwo. C'est Mewtwo. Bon, je vais pas faire genre j'ai galéré pour avoir Mewtwo. J'ai simplement lancé ma Master Ball et c'était plié. Gardez un Master Ball pour Mewtwo. Pas de suspense hein, à ce niveau-là. Non, vraiment, là, c'est quoi cette... Ouais, on a Mewtwo. Let's go. Je profite pour le faire méga évoluer et le design est assez spécial quand même. Oh my god. Ah, c'est Mewtwo Y. C'est mon préféré. C'est vraiment préféré mon Mewtwo Y. Ouais. Il manque la tête, non? Pas bon Mewtwo. Peut-être Dodo il est beau. Même Dodo il est pas. De retour au manoir Pokémon, on en profite pour capturer le métamorphe que j'avais zappé. Et cette fois-ci, étonnamment, je n'ai pas du tout douillé. Ok, bah c'est win. Bah voilà. Ok, on a un métamorphe. Il m'en reste plus beaucoup. Je peux le faire. Maintenant qu'on a à peu près tous les Pokémon disponibles avant la ligue, on en profite pour faire les îles Sévie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une pension où l'on peut mettre deux Pokémon plutôt que d'un. Et du coup, s'il y a deux Pokémon, on peut les faire accoupler. C'est la seule façon d'avoir trois Evoli, et donc d'avoir toutes les évolutions possibles. Donc je mets tranquillement mon Métamorphe et mon Evoli, afin qu'il pèse un max. Ah, Evoli. Pyroli, let's go. Et les autres ont pas... Aquali, yeah. Mignon. On a presque fini, donc on XP les derniers Pokémon, donc les fossiles, les Pokémon qui doivent être plus de niveau 50 pour évoluer, donc Macogneur, Grolem, etc, etc, c'est extrêmement lourd. Après avoir fait la ligue plusieurs fois, j'ai plein d'argent, donc j'en profite pour acheter un maximum de jetons. Donc on achète Porygon pour continuer à remplir notre Pokédex, et Mini Draco, qui d'ailleurs sera le dernier Pokémon à XP de la run. Il évolue au niveau 55. C'était long, très long, mais je pouvais le faire. Plus qu'un. Après 13 heures. Et c'est la huisse. Et personne ne pourra m'éteindre. La technique interdite. Les super bombes. On l'a fait. Les 151 Pokémon. En moins de 24 heures. J'espère que la réaction du professeur va être légendaire. Je suis content de te revoir. Ton Pokédex? Voyons, voyons. 151 Pokémon vus. 151 Pokémon vus. Observation de votre chaîne. Le Pokédex est complet. Félicitations. Ah, j'ai tout. C'est ici que je vous laisse, les gars. On n'a pas de live tant que je n'ai pas rempli le Pokédex. J'ai l'impression que c'est fait, non? Yeah.